Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à trois petits exos de calcul de coordonnées dans un repère. Donc, on nous demande dans le numéro 7, page 207, de prouver que E, F, G, I est un parallélogramme. Je vous ai fait une petite figure à main levée, entre guillemets, pour essayer de voir quels sont les vecteurs que nous allons utiliser. Donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faut montrer qu'il a deux vecteurs opposés égaux. J'ai pris, par exemple, E, F et I, G. Comment on calcule les coordonnées de E, F ? On prend les coordonnées de F moins les coordonnées de E. Moi, je me place en colonne X en haut, Y en bas. Coordonnées de F, 1, 3, moins coordonnées de E, 3, 2. Premier vecteur, moins 2, 1. Je vais faire pareil avec le vecteur IG, coordonnées de G, moins coordonnées de I. Et je trouve donc moins 2 et 0. Moins 2 et 1. À partir de là, je vois que les vecteurs ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire que le quadrilatère qu'ils définissent est bien un parallélogramme. On va faire pareil avec les autres exercices. On nous demande, avec des points donnés dans un repère, de montrer une égalité vectorielle. Et bien, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Coordonnées de B moins coordonnées de A. Coordonnées de B, c'était 14, 10. Moins coordonnées de A, moins moins 10, plus 10, moins 16. Donc, première coordonnée, 24, moins 6. On va faire pareil avec les coordonnées de CD. Les coordonnées de D moins les coordonnées de C. Coordonnées de D, 6, 4. Moins moins 2, plus 2, moins 6, 8 et moins 2. Et on voit bien que 3 fois 8, ça fait bien 24. 3 fois moins 2, ça fait bien moins 6. On a bien que AB est égal à 3 fois vecteur CD. Et pareil, on a cette fois-ci des vecteurs U et V dont on nous donne les coordonnées. On vous demande de trouver les coordonnées de U moins 1,5 de V. Je prends donc les coordonnées de U moins 1,5 les coordonnées de V. Et je vais faire les mêmes opérations que les opérations que j'ai là, mais en mettant d'un côté les x et les y. Ça va me donner donc 6 moins 1,5 fois moins 4 pour les x, 1,5 moins 1,5 fois moins 1. Donc moins 1,5 fois moins 4, ça fait plus 2, 6 plus 2, 8. Moins 1,5 fois moins 1, plus 0,5, 1,5 plus 0,5, 2. Voilà!